Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mr. B. Très heureux de vous retrouver dans cet autre épisode du vlog de découverte de tourisme, d'infrastructure, de développement avec Mr. B, toujours votre serviteur. Mesdames et messieurs, merci d'avoir liké la vidéo, de partager, de vous abonner, de commenter aussi. Hein. Donnez vos avis en commentaire. Je suis à Yopougon, route de Palais. Et aussi, dans cette vidéo, je vais vous montrer. Bon, ça fait partie du vlog. Hein, je vais vous montrer l'échangeur, la nouvelle voie qui a été bitumée, qui a été le marquage, dont le marquage du sol a été fait et qui continue jusqu'à la voie de. La nouvelle voie de Dabou ici à Abidjan. Alors restez connectés. Si vous avez de quoi à dire, mettez en commentaire les suggestions et aussi vos critiques, hein, parce que ça nous permet d'évoluer. C'est très très important. Voilà, donc nous sommes en train de gravir les échelons pour pouvoir atteindre le dessus, afin de vous montrer en toute intégrité ce qui se passe ici, en toute réalité. Merci les gars d'avoir partagé, de liker. Je suis Mr. B, vlogueur niveau 1 en Côte d'Ivoire. Likez les gars. Voilà. Dans quelques temps, je vais vous montrer l'évolution des travaux de la tour F d'Abidjan. Et aussi, je vais vous faire tous les points sur le dégarpissement de Yopougon Village. Je pense que vous avez vu. Vous avez énormément vu, mais moi je vais faire le résumé de ça. Merci. Voilà. Bien, je rappelle que cette voie n'est pas encore ouverte à la circulation, mais ça ne va pas tarder. Voilà, nous sommes au-dessus. Je pense que la voie continue jusque là-bas. Vous allez suivre le vlog, non? Vous allez suivre le vlog avec moi. Voilà. Ça va? Ok, merci. Vous voyez les gars. Ça, c'est le dessus de l'échangeur. Ici, c'est la voie de Dabou. C'est la voie qui continue jusqu'à la voie de Dabou. Et nous allons arriver. Vous allez découvrir l'échangeur avec moi. Voilà. Il faut accepter le développement parce que je pense qu'il faut vraiment un véritable sacrifice, hein, pour atteindre un niveau de développement assez conséquent. Alors, dames et messieurs, c'est tout à fait normal et puis on doit se conformer à tout cela. Voilà. Vous voyez très bien que je suis sur le pont là, sur l'échangeur, j'allais dire. Je pense que ça ne tremble pas trop. Hein. Gars. Vous voyez ici, je suis au-dessus. Ça aussi, c'est une autre vidéo pour vous montrer les contours, les alentours, les tenants et les aboutissants de tout ce qui se passe ici. Donc, comme je vous l'avais dit précédemment, les véhicules qui partent comme ça vont à Yopougon Kouté. À Yopougon Kouté. Et de l'autre côté là-bas, c'est Yopougon, c'est le quatrième pont d'Abidjan. Lorsque tu empruntes avec ton véhicule ou encore avec ta moto, tu seras donc dans l'obligation de payer 1000 francs ou 500. Voilà, je vais aller de l'autre côté vous montrer aussi.
Vous voyez, là, je suis comme ça sur le changeur. Hein. Maintenant, là, c'est la route de Yopougon Cypress. Yopougon Cypress. Yopougon Cypress, les gars. Voilà. Et je pense que je dois vous montrer la voie hein, qui mène, qui n'est pas encore ouverte, mais qui mène au quatrième pont d'Abidjan. Vous voyez la tour F là-bas. Abonnez-vous, les gars. C'est très chic les gars, vous voyez. Ok. Il y a un kiosque ici, il y a un petit kiosque là. Lorsque tu es ici, tu peux te ravitailler. Je vous montre tous les contours hein, étant sur, sur l'échangeur là. Vous voyez, c'est un vlog intégral. Hein, la route du palais là-bas. Et là, il y a un petit kiosque. Vous voyez le kiosque, vous pouvez vous ravitailler avant de continuer votre chemin. Avant de continuer votre chemin. Ouais les gars, c'est tellement beau à voir. La voie du quatrième pont. Ici, c'est la voie du quatrième pont. Lorsque vous partez, vous allez croiser la voie du quatrième pont là-bas. Voilà, vous voyez, il montre que la voie n'est pas mise à la circulation, n'est pas encore mise à la circulation. C'est la voie du quatrième pont d'Abidjan. Ce panneau de signalisation nous montre tout, hein. Ouais, y a des gens qui discutent, qui me disent que c'est pas Yopougon Palais, que c'est comme si c'est comme ça. Regardez sur le panneau. Hein. Vous voyez, non? Flèche en haut, Niangon. À droite, Cypress. Et puis à gauche, là-bas, ça sera Palais. Mais il y a des gens qui discutent
dans les commentaires. Quatrième pont d'Abidjan. Bon, on continue le vlog, les gars. On continue le vlog. On continue le vlog, là. Les voitures du quatrième pont, qui vient du quatrième pont, passe par ici pour aller. Ici, c'est la deuxième partie. Oui, c'est la deuxième partie. Voilà, dames et messieurs, je pense que vous avez pu voir un peu. La voie, nouvelle voie du quatrième pont qui mène à la voie de Dabou.